Igor, 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 Igor. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, Igor. On va mettre un peu de musique. Ouais. Oh, oh. Ouh, un petit feu d'artifice. Tu sais pourquoi, Igor? Tu sais pas pourquoi, Igor? Et oui, nous sommes 400 sur la chaîne, les amis. 400. Et ben, je sais pas quoi vous dire à part merci. Je pensais pas, en commençant cette aventure YouTube, que nous arriverions au chiffre de 400. Et je vous remercie, les amis. 400, ben 400 merci. 400 bises à vous, filles, garçons, tout le monde. Que des bises, que des bisous, que de l'amour. En tout cas, voilà, ben, je vous remercie pour tout le fun que vous m'apportez, le plaisir que vous m'apportez. Et puis, ben, j'espère que je continuerai longtemps à vous apporter du fun et du plaisir parmi mes aventures, notamment sur Ragnablock, sur d'autres séries Minecraft, et puis sur les jeux consoles aussi que je fais. Voilà, en tout cas, un grand, grand, grand merci à vous. Voilà, donc un petit feu d'artifice hein, que j'ai fait. Je ne sais pas faire encore bien les canons de feu d'artifice. Donc je vous ai fait un petit feu d'artifice pour vous dire un grand, grand merci à vous. En tout cas, bah, voilà, c'est avec plein d'émotions qu'on va se retrouver sur Ragnablock dès que j'aurai passé cette porte qui mène sur le mien. Et ben voilà, je termine dans mon cimetière, les amis. Avec un cookie, ça va un peu le renfermer. Bonjour, la poule. Oh, ouais. 9 sauteurs. Vraiment, ces passages de la 1.9 à la 1.8 sont assez spéciaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Hein, le merci encore pour ces passages. Pour avoir atteint le chiffre 400, merci encore. Donc on se retrouve tout de suite, pas tout seul, pour un épisode assez loufoque. Je peux bien vous dire, ouais, un épisode assez loufoque. C'est parti les amis, une petite ellipse. Et on se retrouve tout de suite, alors à tout de suite les amis. Hello à vous, ici Fred Lawless, et nous revoici pour un épisode de Ragnablock avec Eugene. Et nous avons en vocal Chad et Linkid qui vont semer la dissidence. Oh. J'ai des potions de résistance au feu. J'ai les potions de force. Ouais. Ouais, voilà. Gros projet en perspective. Une hutte de pigman en bouse. On va essayer de faire de ça en moins de 10 heures parce que sinon, au bout d'un moment. Donc, les gars, on est parti sur 24 heures de Minecraft non-stop. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer. On va construire le bateau, bien sûr. Avec la magnifique grue qui est au-dessus. Agrugru. Non, c'est normal que ce soit magnifique, j'ai participé. Oh. En toute modestie, hein, je veux dire. Pour la finition, après... il avait un peu peur du Nether. Ouais, il a eu peur. Bande d'enculé. Pardon. Il a participé à faire aggro par les figues. Oh non, ça c'est sur l'épisode de ML, je suis tellement dégoûté. Donc alors, on va commencer. On commence par le noir. Tu veux le répéter? C'est quand même dégueulasse, tu dis je jette une underpearl au hasard, je tombe pile poil sur un pigman. Donc toi tu commences pas ici, ne te passe pas. Ça c'est pas de chance. Donc c'est tu clair. Fais noir, en rouge. Ouais, noir, donc si on parle, on va vous faire chier en fait, noir, c'est ça qui est bon. Rouge, ouais, c'est ça, noir, ça pourrit la vie un, en fait. 1, 2, 3, 4. C'est ça.
Pousser, bloquer. Ouais, c'est ça. Attention, il y a gars dans la boue, il y a un place à ta géant. Ah putain. Cette dissidence. Avec tous les pigmen qui là... prennent leur bain de feu. Donc là, tu... de... au noir, tu colles un rouge et un noir. Ouais. Et c'est horrible. Au rouge, tu colles un noir et un rouge. Attends, faut que j'aille voir ça, moi. J'espère que t'as pas gardé les blocs de redstone dégueulasses. Non, on a pris de la clé. Ah ouais, parce que dans mes lots, il me dit « Ouais, je prends la redstone et tout, ça pète, tu verras. » Que dalle, c'est moche. Mais au pire, je t'emmerde. On dirait un placenta géant. Ah, j'essaye, avec ses placenta, il en peut plus. Ah, le placenta, moi, ça m'a pourri la vie, c'est fini, moi. Donc, ça ressemble à une cervelle ratatinée, quoi. Là, tu prends ton argile silant. Attends, si je ouais. la place pile poil au milieu des deux. Ah, mais raté. C'est vrai que c'est ça, là. Alors. Voilà. En prenant ici, donc en basant là, tu fais 1, 2, 3, 4 et 5. Et bienvenue sur l'épisode de Fred Lawless, hein, parce que je tiens à dire que le pauvre Fred, c'est, il obéit aux ordres 4, d'un bruit d'âme qui s'appelle UGB80. Manque plus que le fouet. C'est ça. Ah oui, fouette-moi. Il n'y a pas de fouet aussi sur... Ah ouais, c'est dommage. Non, mais je vais t'apporter la laisse par contre. On se fait canarder. Tiens, qu'il y en a un qui va toucher un pigman, on va être joli, tiens. C'est ça qui est bon. Donc là, tu commences à partir du 2, Fred. Et je peux écrire un link avec des flèches en flamme. Comme ça. Je peux écrire. Et j'en mets 3. JP, soucis le micro. La même chose que d'habitude. Que je te dis que... Oh, fais pas ton malin, toi. Fais pas ton malin. Je suis gentil jusque-là, mais maintenant, ça va pas être cool, là. Je te jette des flèches à la tronche, maintenant. Essaie pas de te cacher, je t'ai vu. Faut jamais me répondre à l'arc, moi. Je suis tendance à être un gros con avec l'arc. En tout cas, ouais, la grue, GG. J'adore le... Alors je sais pas comment ça s'appelle l'espèce de troll qui descend là, je sais pas comment ça s'appelle. Le palan. Le... Bah je sais pas non, c'est un truc qui bah, tu sais le truc de la grue là, je sais pas. Ouais, le troll. Demande à tes viewers de dire dans les commentaires si les mecs sont intéressés de faire une recherche sur Wikipédia ou je ne sais quoi, de demander c'est quoi ce nom. Ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle ce truc, moi j'appelle ça le troll avec Moi j'appelle ça le truc. Le truc. C'est le truc. Ça. Ouais. Ça passe partout. On fait deux comme ça. Et ensuite, tu viens faire. Le troll avec le palan, je pense. Donc, si je fais de la merde et qu'on monte dessus avec une underpearl, on peut pas redescendre. Attends, je te fais descendre, bouge pas. Merci. Gaz derrière toi. Hop. Ouais, j'en entends un. Oh, j'aurais touché ou pas? Oh, joli! Peut-être. Peut-être, ouais. C'était dans la bonne direction, mais je sais pas si c'était assez loin. On va faire exactement la même chose. Tu te rends compte que je shoot un pigment d'ici, je prends aucun risque. Et celui qui tape tout l'aggro. T'as vu un peu comme ils sont? Allez, en une flèche, est-ce que t'arrives à en shooter un des deux? Non! Allez, vas-y, tu tentes lequel? Le Fred, bouge pas. Non! Oh putain! Allez, en une flèche, ça se passe. Ouh! Allez, moi aussi. Tu ne répondras pas, Fred, c'est dissidence. Oh la vache! Pas. Je vous fais une petite ellipse, les amis, le temps de revenir. à vous, donc me revoici. En vie. En vie. Pendant que ces vilains garçons. Pendant que l'autre connard de LinkedIn, parce que là, il est en train de se concentrer pour pas être violent. Non, pas du tout. Je t'ai aidé à faire la grue.
Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Oula, j'ai du mal. Fred. Oui. Passer par le nom du serveur. Donc voilà, UG Blade a continué un petit peu pendant que je rassemblais mes morceaux. J'ai essayé. Bon, je t'avoue que je me suis barré. Hein. Alors. Mais non. Non, mais ça me fait chier, c'était pas du tout voulu, quoi, je m'en veux. Ben oui, parce que je suis en stuff faire, parce que mon armure en diam, c'est en réparation. Et le forgeron est très lent à réparer. Et là, il sera encore plus lent, vu que j'ai perdu mes niveaux. Un connard, j'ai lancé une nether chest dans la lave, donc du coup, j'ai dû remonter. Et que j'étais très profond. Et j'ai failli crever. Mais t'as une potion, non? Je viens de l'ingurgiter, ouais, c'est de la régène. Ah. C'est pas de la résistance au feu. Ah, il y en a de la résistance au feu dans les coffres là-bas. Ouais, mais vous en avez plus besoin que moi. T'as qu'à mettre un seau d'eau. Pardon. Ouais, dans le nether. Oui. Et un lit aussi, tiens. Et un lit, oui, en plus. Tu sais que j'ai jamais testé ça. Il fait 3. Même pour rigoler, j'ai jamais testé. C'est des trucs que tu penses pas faire. Faudra que j'essaye un jour. Une question con, est-ce que tu peux faire une carte du Nether sachant qu'il y a un toit? Je pense pas, non. Parce que le compas déjà il déconne alors. Faire des cartes du Nether, mais ça rend des trucs assez spécial. Tu sais, c'est ce que Wix avait fait dans sa pyramide. Ça faisait une tapisserie assez spéciale, rouge, bizarre. Donc, là je le fais, hein, parce qu'en fait c'est juste faire 4. J'ai essayé sur Krakow, tiens. Ouais, dis-moi, tiens. Je suis curieux, je sais pas. Voilà, on prend la coque du devant. Enfin, on fait la coque du devant, on va aller à l'arrière. Ouais. C'est moche. Ah oui, d'accord. Ça fait un truc bizarre, effectivement. Ouais, gros, et... Ça t'affiche de la bedrock, quoi. Ouais, voilà, il s'en servait de tapisserie. Oui, ça faisait pas mal en tapisserie. Je sais plus comment il faisait, sur des panneaux ou... Ouais, oh, sur les item frames. Ou les item frames, ouais. Donc là, on va commencer donc à partir du rouge. Ouais. 1, 2, 3, il fait 4, 5 et 6. Ok, donc... Je vais poser un lit tant qu'à faire. 1, 2, 3, 4... 5. Ouais, si ça met une phrase, dis-moi, mais quoi comme 6. Phrase que... Alors attends. Attends, je vais chercher un Vous êtes dissident. Ça fait un gros boom. Dissident. Ah, ça explose. Ouais, tu savais pas? Non, je sais pas. Ça explose, ouais, quand tu dors dans le Nether. Peut-être pire que la TNT. Ah, à ce point-là, ça peut être pratique si tu veux faire des trous. Ça fait des trous ou ça explose juste? Tu savais pas? Non, ça fait des trous. Non, je savais pas. Ah non, j'en savais rien du tout. Il y a un moment, c'est qui, c'est Ikea qui a utilisé dans un KTP, je crois. Dans un UHC, il l'a utilisé. Et il a réussi à tuer, il a... Là, tu fais 4. Donc, tu prends sur les 3 derniers, tu dépasses 1. Ouais. Et ouais, les compas, les boussoles déconnent. 4. Ça fait une tapisserie assez sympa, d'ailleurs, pour la carte du Nether. Ouais, ça fait pas mal, ouais. Donc là, tu prends ici, là, et tu fais 3. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Logiquement, ici, c'est 4. Il y a un lapin dans le log du Nether, quoi. Oui, j'ai tapé une barre quand je l'ai vu. Eh, d'ailleurs, tiens, chat, ça fait longtemps que t'es pas venu chez moi, tiens, viens faire un tour. Ça a changé. Pourquoi pas? Le changement, c'est maintenant. 4. On a dit tout ça. Moi, oh oui, franc. Je t'aime. Sacré soit franc. Ah, sacré safran. Ouais, blague de merde, je m'en fous, je l'ai sorti. J'aime bien. Et là, ici, tu me mets tes deux. Le respect est décédé au moment où tu es allé sur cette rue. Ta gueule. Je te déteste de plus en plus. Ben, tout bien tout honneur, hein. T'es le détestage de base, quoi, j'ai envie de dire. Oui. C'est affectif, quoi. Ouais, c'est ça. Le détestage affectif.
Ouais, ouais, on invente des principes assez, assez sympas ici. Ici. Tu te mets dessus, tu refais 3. Et tu refais encore un 3. Je suis content, c'est le week-end. Hop. Ouais, moi aussi je suis content, comme ça ma nièce elle aura pas beaucoup de leçons. Et moi je bosse le week-end. Bien fait pour tag. T'es pas en vacances? Oh. Non, non, j'ai encore une semaine à faire. Oh attends, il est toujours en vacances ce mec. Toujours en vacances. Yo, je suis là. Ouais, bonjour. Ok. J'ai même pas de guide, c'est honteux. J'arrive, t'inquiète. Du coup, j'en profite pour voir chez Kakaora, mais. 4 ouais. Va voir Cédric. 1, 2. Bah non, on va pas voir Jupiter, ça sert à rien, c'est moche qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Bah, la fois que j'ai vu, je suis venu, j'ai vu qu'une fleur. Non, y'en a deux. Enfin, d'accord. Ouais, donc ça vaut pas le coup, quoi. Non, bah non, mais clairement, si t'as déjà vu la fleur et que t'as pas envie de te faire chier à faire le chemin, y'a qu'une deuxième fleur en plus, hein, clairement, hein, JP. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, hein, je dis pas que c'est moche quoi que ce soit. Ah non, mais il a totalement raison. Ouais, mais... si t'as vu la première fleur, je veux dire, t'as vu, pour l'instant, t'as vu toute sa base. Hein. Je suis désolé, 3, mais c'est ça. 4. Enfin, je suis désolé. Qu'il est méchant. Je vais pas être désolé, en fait, c'est normal, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Je le dis moi-même. Ma mine naine, au début, quand j'avais que le trou, pareil, je disais, les gars, vous pouvez faire si vous voulez, mais il y a qu'un trou quoi. Et on fait de 4 aussi. 3, 4. Ouais, de 4 aussi, ouais. Tu vas défaire son argile pour une prochaine prank alors. Ah merde, il faut que j'aille rechercher. Oh. Moi je me suis fait pranker par des enfoirés. Putain, j'avais carrément un biome jungle chez moi quoi. T'as les... Ouais, bah, je m'en souviens. Elle est belle la map en plus. T'as vu, elle est propre. Bah oui. C'était c'est sympa, c'est sympa un biome jungle. Moi je suis 4, c'est une petite naine quoi. Les nains des bois. Et là, il monte en fait. Ah ouais, c'est les nains des bois. Est-ce que vous pensez de faire ma meuble? Je sais pas. Non, c'est il y en a un autre truc, ouais, voilà. J'ai l'impression que ils sont éjectés par des slime blocks, ouais. Et ça les fait ça leur fait toucher la lave. Bah ouais, c'est ce que j'ai l'impression aussi, mais je donc, comprends pas trop le principe. Par derrière. Et si c'est ça va être ça, et puis ils brûlent et puis ils crèvent et ils donnent de la viande. Ouais. Des, faut que tu demandes à Kakaorum parce que sincèrement, je n'en sais rien. Bah attends, je teste. Ah oui, c'est ça. Voilà, j'espère quand même que vous allez bien, chers viewers. Hein, pendant que tout le monde dit des conneries. Je suis dissident et je dis la phrase intelligente. Oh, ça fait du bien, un petit épisode calme. Ouais. Ouais, c'est pas le. Ça a bien avancé chez toi. 1, 2. T'as vu en mode posé. Hein. La petite allée. Attention. Sympathique. 2. Tu l'as vu dans la montagne ce que j'ai creusé là? Là, je suis juste devant là. Là, je monte l'escalier qui est à droite. Ouais, bah c'est ça. C'est ce truc là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. C'est juste le premier étage qui est fait. Je regardais les points. D'accord, ok. Non, j'ai mal mis moi. Attends, une vue assez sympa sur. Non, c'est parce qu'il faut que t'avances encore ouais. De 1. Clairement. De 1 et que j'enlève et que j'enlève celui-là. Enlève le bout, ouais. Ouais, normal. Oh oui, enlève le bout. Oh oui. La dissidence du bout. Je circoncis le navire. Oh, adieu Prépus, une minute de silence, les gars. Il respecte même pas le Prépus de Sato. Et ça va. Ta mine, elle va ressortir par l'autre côté de la montagne. Hop. Ou ça va jusqu'au. Je sais pas. Je sais pas, je fais tout one again to beast to cacahuète. D'accord. La preuve, j'ai même pas tourné tout ici, ce que j'ai fait. Ici, il faudra ramener. Où ça? Là, ici. Écoute, j'en ai pas là de la cobble. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis ça pour moi. J'ai pas entendu, excuse-moi. Mm-hmm. T'as un peu changé de design de tes flambeaux? Oui. Par contre, comme il y a la lave, si on met de la cobble, on a autant de laisser ça, quoi. Ouais. Oui, totalement. Après, mais... dis-moi, je parle. Vous vous rendez compte comment je me fais guaquer dans mon épisode? Ah, il a de la chance qu'il soit pas là parce que. Voilà. T'as fait l'autre côté aussi, sympa. Ouais, c'est ça que je suis en train de commencer un peu plus sérieusement.
face de la mer. Ah ouais. Ah oui, la mer numéro 2. Ça fait plus électrique. C'est naturel la structure qui sort de l'eau là avec la roche. Oui. On dirait oui. Une. On dirait une ouais. La tête du monstre du Loch Ness. Ouais, bah c'est exactement ce que Fred m'a dit quand il est venu me voir, je sais plus quand. Bah hier. Ouais, c'est ça. Après les effets infructueux. Je vais pas monter sur montagne parce que c'est trop dangereux. Après les innombrables essais infructueux. Oui, c'est vrai, quand on essaie de repasser ton Java en 64 bits. Oh, ouais, ouais. Le pétage de plomb. Le manque de respect du Java d'hier soir. Oh putain, ouais. L'horreur. Tu nous as fait une cacao ? Parce que mon Java, il était ancien, ça n'avait pas fait la mise à jour. Donc il a fallu que je réinstalle Java, mais alors pour le remettre en 64 bits, il voulait pas. Beaucoup de bits ? Il voulait pas. Trop de bits, trop de prépuces. Il te reste beaucoup d'argile grise. Ouais. À 47. Ouais, mais enfin tout petit peu. Ouais, attends, on va pas les mettre dans la lave. Ouais, c'est évité. Mais après, je vais commencer mon sens. Doucement, gamin, doucement. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, c'est en train de prendre forme tranquillement. Ouais. Même Kekarom, il est acharné. Hein. Ah ouais, c'est clair. Bah, c'est une maison qui pousse comme des champignons. C'est ça, ouais. Hop. Donc, comme ça. Nice. T'as mis une rouge. Ouais, je sais, c'est prévu. Donc, hop, je vais la mettre tout de suite. Tu mets ta rouge et après, tu finis. Et après, on va attaquer. C'est des ouf. En build. C'est des ouf. C'est des ouf. Hop. Ouais, c'est des ouf. Voilà. Même Yggdrasil, putain. Ah, ouais, il est cheaté. Il est dans son petit coin là, mais il fait des grandes choses. Donc allez voir leur chaîne si vous voulez voir tout ce qu'ils font. Donc vous ne verrez pas la jungle chez Link. Non, c'est bon. Tu l'as filmé. Ouais, dans mon prochain épisode, tu verras la réaction. Je crois que je vous traite d'enculé. Je crois que c'est ouais, le mot que j'ai employé. C'est ça. Voilà, c'est donc là, voilà. Ouais, voyez, ne venez pas fleurir le biome de Link. Hein, vous croyez lui faire un cadeau, vous faites traiter d'enculé. Ouais, mais l'enculé des familles, quoi. Ouais, c'est ça, l'enculé des familles. C'est passé avec Link, on se connaît depuis un petit moment, donc... Généralement, nous, tu vois, on se dit pas bonjour comme ici, salut, ça va, t'as une espèce d'enculé, va te faire... Ouais, c'est ça, customisé par un pingouin, une jambiste, du voilà, et généralement, il y a toujours... Pour ajouter, donc, c'est comme si tu disais, comment vas-tu, nous, on dit pamplemousse. C'est ça, pamplemousse. Pamplemousse, c'est comment vas-tu. Pamplemousse, vous pouvez les retrouver dans le biome de Yggdrasil. Donc là, on va prendre la brique du Nether. Désolé, j'étais en mode... La brique, il faut aller la chercher. Vas-y. Ah, t'as un peu plus sur toi. Non. Oui, t'as mis 3 secondes de réaction, c'était pas mal. Ouais, c'était assez sympa, je pense, ouais. Heureusement que je recorde pas, j'aurais l'air d'un con. Hop, j'en prends combien bon. J'en ai pris 2 stacks là, pour le moment. Ouais, c'est bon. Le gars, les Raffaello, c'est donc très ensuite, bien. T'as un pig qui t'aime, qui vient t'embrasser. C'est bon. Oh, yeah. Il est collé à toi en mode câlin. Donc, je vais vérifier. Logiquement, on ne compte pas celui-là. Eh oui. Les pigs ont besoin d'amour, hein, voyez. Ils ont besoin d'amour. Des pigs, des canins, ils en veulent tous les jours. Ils sont comme ça. Oh ouais. Oh ouais. Donc là, là, tu prends ton argile marron. Enfin, ton argile noire, ouais. Tu te mets pas sur le premier bloc noir, mais sur le deuxième. C'était mon époque, ça. Et tu montes de 5 sans compter celui-là. Hein. Donc, 1, 2, ah, oui, du coup, 3, oui. 4 et 5. Alcalisé, okay. Laurie. Oh hop. Oui. 1, 2, 3. Avec les vues magazines de chansons, là, de chanteurs et chanteuses. Oh là. Ouais. Ah, les gonzesses qui avaient des posters de Billy Crawford. Là, tu prends ta Brick Guinness. Ouais. Et tu viens faire un 5 comme ça. J'avais un album de Billy Crawford. Ah, qu'est-ce que je pouvais pas supporter, ce mec. Ah, un U. Ouais, un U. Non, un U, ça va encore, c'était un bon chanteur à l'époque, ça, mais les autres, non. Un Kyo, putain.
Qui ça? Kyo. Ah oui. C'est pas mal, si tu avais un point avant. Et tu fais 5 aussi. 1, 2, 3. Ouais. Ils sont en manquant en plus. Enfin, ils étaient. Ah bon? Ils viennent d'où, eux? 1, 2, 3. Les Yvelines. Ils existent plus, Kyo? Si, ah, mais ils ont sorti un peu de la merde. Pas longtemps. Non. Oh oui. Bah. Ça vaut pas ce que c'était, quoi. C'est... Je... Ah, t'as juste à écouter. Ça volait pas très haut non plus. Bah, écoute le Saint Graal, tu verras, c'est assez sympa. Ouais. Ironie ou... Ouais, ironique, parce que les paroles sont juste catastrophiques, quoi. C'est une horreur, ces paroles. Le rythme est bon, hein. De toute façon, Kyo avait un rythme moi, que déjà j'appréciais bien. Bah, les paroles, quoi. Ça pique, hein. Ah là là. Non, non, faut au bout d'abord. C'est comme, tu sais, Liane Folie, tu vois. Faut pas la regarder, cette gonzesse. Mais elle assume complètement son côté, j'ai fait de la chirurgie esthétique, hein. C'est vrai qu'elle elle dit, elle mm-hmm. l'assume, mais elle s'est tellement fait tirer le visage, le jour où il y a, sérieusement, le jour où il y a un fil, ouais, non, mais le jour où il y a un fil qui pète, sincèrement, c'est Jabba le Hutt, tu vois, c'est... J'adore l'image, Jabba le Hutt. Léa, elle s'en sort dans Jabba le Hutt. Ouais, c'est ça. Oh, tu feras un montage, tiens, tu feras un montage, Fred, pour que les gens voient bien c'est qui Jabba le Hutt et Liane Folie. Tu mets la photo à gauche, avant, ici, après. Tu montes de 4 sans compter le bloc. Ouais, 4. Juste 4. Ouais, juste 4. Ah, pardon, t'es en record, moi je suis dehors, t'as fumé ma clope, ça fait peut-être un peu de bruit. La dissidence, la dissidence. Bah, je pense qu'ils connaissent Jabba le Hutt, non? Ah, tu prends des gamins de 12 ans. Je leur montrerai quand même. Ouais. Ah ouais, Jabba le Hutt, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Après, bon, voilà, hein, connaître Star Wars 1, 2, 3, ça va, mais connaître 4, 5, 6, il y en a pas beaucoup qu'on. Hein. Ouais. Alors que c'est les meilleurs. Personne encore. Attends, il y a le 7 là, waouh. Ça va être une tuerie. Oh là là, le 7, non, non, moi j'ai peur, moi. Ah, moi aussi. Honnêtement, j'ai peur. Déjà, le 1, 2, 3. J.J. Abrams, il gère. Ouais, mais déjà, moi, le 1, 2, 3, ayant connu le 4, 5, 6 bien avant, étant un enfant du 4, 5, 6. Ouais, étant un vieux, quoi, c'est ça que tu veux dire, on comprend bien. En même temps, George Lucas, c'est pas le meilleur. C'est, non, un enfant du 4, 5, 6. Mais ouais, ouais, toi, dans le. L'enfance, c'est Star Wars 4, 5, 6, la nôtre, c'est 1, 2, 3. Voilà, ouais. Malheureusement. Mais j'adore 4, 5, 6. Alors enfin, que 4, 5, 6, c'est clairement les meilleurs, quoi. Moi, je pense que. 3, mais je préfère autant 4, 5, 6 que 1, 2, 3, tu vois. Je pense que dans les 1, 2, 3, il y avait certaines révélations qui n'étaient pas lieu de faire. Mais ça retourne un peu comme Hobbit et Seigneur des Anneaux. Mais non, je veux pas d'armure en diamants. Si, c'est pour m'excuser de t'avoir tué. Mais non, je veux pas d'armure en diamants. Tu le prends, tu te dépêches, sinon je te rebute. Le mec. Bon bah, une ellipse. Bon, bah merci. T'es pas obligé. Non, mais je paye le fait de t'avoir buté. Maintenant, au moins, t'es stuffé, je peux t'attaquer. En fait, il attendait que ça. Ouais, voilà, ouais. C'était juste... Donc là, tu prends ta bouille du laser et tu fais 3. Oui, mais ne m'attaque pas. Vous fait, voyez bien, alors, la brique du laser, 3. Bon, par contre, le plastron est dégueulasse. Hein, je suis désolé. Le plastron, c'est juste un unbreaking 3. Ah bah je vais remettre le mien alors. Ouais, protection contre le feu 4, solidité 3 le mien. Ouais, bon bah voilà, tu répareras avec la rigueur. Ouais. Après tu viens au milieu, comme ça. 2. Tu fais un 4. Hop. Tu fais un 4. Oh oui, fais un 4. Hop. Et voilà, en fait, j'ai fait un 4. Et en dessous le 4, tu viens mettre. Un bloc alors... comme ça, de clé noire, de noir. Un bloc de rouge. T'es où, Chad? Spawn village. Ouais, ok. Oh, le lapin, il me fait trop délirer. Il faut l'enfermer et le garder, lui. Oh. D'ailleurs, le suppositoire géant en bois a été viré. Oh non! Ah, il fallait faire quelque chose. Donc, après, si... C'était une construction qui n'était pas finie.
D'ailleurs, il y en a une autre qui n'est pas finie, qu'il va falloir détruire. Ah, la maison de Crawl, ouais. Certes, ouais. Donc pour ceux qui aiment la... Qui veut... Oh putain donc, ah là, oui, t'as une carotte d'or. Tu vas venir te... Oh oui. Oh, regarde qui y a derrière ici. Toi. Mm-hmm. Ici. Et je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Troll mec, on a speed 2, haste 2, tombe 2, régénération, résistance, vas-y, on va cheater. Bah moi je l'ai pas d'ici. Là ici on va... je vais avoir donc... Je suis même pas passé par là en fait, je suis passé par l'arbre qui est à droite. Ah moi j'ai plus le jump boost donc je peux pas passer. Ouais. Je suis passé par là moi. Donc là... Regarde avec le jump boost tu peux le faire, regarde, attends, je reprends le jump boost. On va venir placer voilà. Ici. Tu mets un rouge là et un rouge là. Ah ouais. Mon binôme. Oh, Mr. MLDEG. Mr. MLDEG qui vient dans mon épisode. Oh. Oh. Quel prestige. Oh, comment il a payé le mec. Non. Il pestille que c'est. Oh, bah tiens, le hasard total. Non, pas payé, mais il a un bureau assez bas et j'ai mal au dos maintenant. C'est je t'ai apporté ta canne. Hein. Il avait oublié. Oh la vache. D'ailleurs, Linkin, tu veux participer à détruire cette structure? Moi? Bon, on attend un email. Je termine mon timelapse. Donc voilà. Donc voilà, vous savez, chers viewers, Kamel termine son timelapse. Pour le savoir, pour le voir, allez voir sur sa chaîne. Oh. Pendant que je mange du steak. C'est de la pub, ces gens. Ah, tu ouais. manges du steak. C'est quel type de viande? C'est du charolais? C'est du porc cuit. Ah, du porc. Maintenant, tu dis combien en viande hein? C'est pas très halal, tout ça. Putain, j'ai en train de refoutre de la lave partout. En parlant de halal, est-ce que si les arabes, les musulmans et autres, s'ils commandent sur internet, est-ce qu'ils payent les frais de port? Oh. Moi je dis ça s'applaudit. Ah là. Alors là, je crois que... Bravo le veau. Ouais, c'est ça. tu as fait fort. Voilà. Je demanderai au boulot parce qu'il y a beaucoup d'arabes dans mon boulot. Donc en tout cas, tout honneur, hein, aucun côté raciste là-dedans. Oui. C'est vraiment parce que j'adore cette blague en fait. N'y voyez aucune agression de sa part. Donc là, tu as des rouges, noirs et rouges. Non pas comme j'aime tout. Rouge, noir. La bouilloire est en route. Chez donc voilà, si vous entendez un bruit de bouilloire, c'est chez ML. Bouilloire. Voilà. C'est mon micro low cost. Vous saurez donc que ML boit du thé. Arrête, tu me donnes envie de boire du thé. Ah, menthe, putain, trop bon. Ah, ça, ouais. Ah, ouais, je suis d'accord. C'est longtemps que j'en ai pas vu d'ailleurs. Du vrai. Une tuerie. C'est vrai que j'ai comme Fred tout à l'heure. La tuerie de Fred. Oh. Il va bientôt me rejoindre, Fred, au niveau des morts. C'est bon. Ah, je pense que le thé est à bonne température, Amel. T'inquiète. Creux. Oh. Ah, peut-être pas. Je sais pas. Change de feu. C'est bon, c'est chaud. On reconnaît les mecs qui sont déjà servis de ce putain de sifflet dégueulasse. Ouais, allez. Mais au moins tu peux être sûr que t'avais quelque chose de bien. Ouais, c'est vrai. Non, bien sûr. Hein. Hashtag c'était mieux avant et tout, voilà. Hashtag. À l'époque où tu ne servais pas de ton iPhone pour faire chauffer ton café. Maintenant t'as carrément une application aussi. Ouais, c'est ça, tu tournes ton téléphone, t'as fait le café. Ouais. Donc si vous aussi, chers viewers, vous tournez votre téléphone et vous avez le café chaud, dites-le nous, ça nous intéresse.
Ouais, puis je veux l'application. Ou pas. Ou pas. Moi, je m'achète un iPhone, c'est sûr. Le mec, il me dit, vas-y, je te fais un café chaud avec l'iPhone. J'achète l'iPhone juste pour vérifier. Ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire que t'es un pigeon, en fait. Le dernier iPhone, c'est le iPhone 6 Plus. Ouais, comment ça coûte, ça? Et il est à 800€ sans abonnement. Non, laisse tomber, je m'achète une Senseo, ça vaut 80 balles. 800€, c'est sans abonnement. Ouais, et là encore, il y en a un autre qui va sortir là au mois de septembre, je crois. Oui. C'est pas le téléphone qui tu écoutes une musique, t'as plus de batterie, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, si tu ouvres un texto, t'as plus de batterie. D'accord. Tu ouvres un texto, t'as plus de batterie, ouais. Sur la même ligne, donc là ici on perd rouge et noir, mais à l'extérieur. En rouge et noir. Très bonne couleur, rouge et noir, j'approuve. Mm. Ouais, vite fait. On est en train de faire le bateau dans le Nether. Non, c'est. Non, vous faites pas le bateau, vous faites. Si, on fait le bateau. Ouais. Non, on fait le bateau, mais. Parce qu'il s'est trompé de couleur. Je me suis trompé de place, en fait. De place, c'est à l'avant, extérieur. D'accord. Donc rouge et noir, mais à l'avant, d'accord. C'est... Ah merde, de j'ai mis la rue. Je comprends vraiment pas Fred, en fait. Hein. Je comprends pas pourquoi tu construis un bateau avec UGP, parce qu'il est mauvais en bulle. C'est pour ça que j'essaie de... Hey, mais il essaye de s'améliorer, c'est moi en fait qui ai tout fait, et puis je vais croire que c'est lui. Tu lui apprends qu'un carré, en fait, c'est quatre côtés égaux, et un cube, c'est, laisse-moi compter, six côtés égaux. Avec l'iPhone, t'aurais pu directement appuyer sur cube, il t'aurait donné 6 faces. Totalement. C'est vrai que c'est des faces. C'est des faces. C'est des faces. Ouais. Je t'en veux pas. J'ai fait maths sup. Hein. T'as fait maths sup? Ouais, mais je me suis arrêté à maths, hein. J'ai pas fait le sup. Oh putain, j'ai tellement envie de dire des conneries, mais c'est tellement pas bien ce que je vais faire. Non, vas-y, on s'en fout. Non, ça se fait pas. Si. Sans règle, là, je vais garder ma salive. Tu as 3 ans pour autre chose. Oh. Je pense qu'il y a une proposition de la part de Link. Bon, c'est pas pourquoi. Je crois que ta copine m'a dit non. Hein. Sérieux? Ouais, pourtant elle est très ouverte. Oh, ouais, non. Oh, que c'est vilain ça. Non, mais c'est vrai, elle m'a dit que maintenant elle faisait dans la charité. Donc. 4? Ouais, 4. 4 quoi? La dissidence. 4 comme Pussycat. Oh aussi. Là. Ça se rejoint, ça y est. Mmh. On a tout compris. Touché. Chatal, vas-y. En gros, dégueulasse, va. Putain, et Fred, il est en train d'enregistrer. Ouais. Tout va se savoir. Et ça, mesdames et messieurs, ça va se savoir. Ça va se savoir. Ça, tu sais. Et comment va ton tigre, au fait, Fred? Mon tigre. T'as réussi à le dompter? Il va bien, ouais. La dernière fois, tu nous as laissé sur un petit. Putain, le chat! Voilà. C'était assez bizarre, quand même. Ah, mais je fais des choses bizarres avec. Oh, c'est un chat ou une chatte? Et regardez-moi ces mecs qui gloussent là. Je demande si c'est juste un chat ou une chatte, et ça rigole. C'est quoi ces a priori? Si t'avais un chien, je t'aurais demandé si c'était un chien ou une chienne, c'est pareil. C'est une mâle. C'est une chimale. Ah si, pour mettre des choses dedans quand tu voyages. Elle a des doudounes et une zigounette alors. Oh mon dieu. Oui? Non, pas toi l'autre. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu l'autre d'ailleurs. Un rouge. Heureusement, je parle pas comme ça dans mes vidéos. Hein. Oh là là. Un rouge à côté du marron. Oh. Bon, est plus vite que ça, Fred. Mais putain. Vous voyez comme il est. Il me fait dessiner des bites noires. Des bites noires avec des boules rouges. Ah oui, c'est vrai. Ah putain. Fermez vos yeux à ce moment-là. Fermez les yeux. On appelle toute la communauté noire africaine chez le Fred Laolès. Est-ce que vous avez bien les boules rouges ou pas? Bon, a priori, au niveau de la taille du sexe, je suis bon.
C'est la couleur des boules qu'on est passé. La couleur des boules, il y a plus de rouge. Après, c'est avant utilisation ou après utilisation, je ne sais pas du tout. Faut savoir, ouais. Faut savoir. Ah, dans ce cas-là, c'est pas les boules qui sont rouges, c'est le gland. Ah, tu sais. Sur le pot de gland, mamie m'appelle. Sur le pot de gland, mamie m'attend. Pardon. Et voilà. Non, il parlait à sa grand-mère. Ça me semblait, c'est un peu bizarre. Hein. Oh, oui. Noir, rouge, noir. Oui, mamie, ton dentier, oui. Retire-le, retire-le, ça sert à rien. Ça, ça glisse quand il l'enlève, ça glisse. Rouge et noir. Cet épisode vient de passer en Peggy 20, c'est officiel. Ah oui, là. 20. 20, oui. Well. La base. Noir, rouge, j'espère noir. Que c'est un bon café. Non, c'est du thé. Vous lui avez donné envie, c'est fini. Hein. Non, c'est toi qui m'as donné envie avec ta pouvoir. Ensuite. On a distance. Totalement. Oh. C'est ma faute, ça y est. Non, c'est grâce à toi. Grâce à moi, d'accord, je retire. Le dernier bloc noir qu'on a mis, tu vas augmenter de 3. 3 noirs ? Ouais. Bande de racistes. Mais non, pas raciste. Bah si. Il est raciste, mec. Si, un peu quand même. Mais bon, c'est pas grave. Après. Moi je dis ça, je dis rien. Si tu sais comment on met du sucre dans le coca, pas de problème. Oh non, merde. Du sucre dans le coca? Ouais, bah oui, tu sais comment on fait, Fred, quand même. Explique-nous, Fred, comment on met le sucre en poudre dans le coca. Bah c'est ça, c'est simple, on ouvre les canettes. Une et on par met le sucre. Une par une, précise. Avec des cuillères à soupe, normal. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais seulement si le soleil bouge. Oh non. Voilà. Seulement si le soleil est à gauche. Ah, sinon ça marche pas. Si tu te retournes, il se retrouve à droite, le soleil. C'est logique. Logique. Ah, après, tu penses quoi, non? Je comprends rien à ce que vous dites. Moi non plus. C'est logique. Ton avenir est devant toi, si tu te retournes, tu l'auras dans le dos. Exactement. C'est ce que je dis. Voilà. Petite question concernant le bateau, vous allez virer la plateforme en cobble à l'intérieur? Oui. D'accord, ouais, ça va bien rendre alors. Ça va être top. Ça fera bien échouer. Il y a quelqu'un qui a fait spawn des poules sur le bateau. Linkid. Un petit avant, Link. Avant de partir. Ah, il est parti. Il a déco, ouais. Parti. Attends, je suis en manque de matériaux, moi. J'ai eu beaucoup. J'en ai, moi, des. Attends, je reviens un peu. Ah, aïe! Qui tient? J'ai reçu une flèche. J'ai reçu une flèche dissidente. C'est un pigmen. Oui. Un pigmen qui tire à la flèche. J'ai un ghast. Merde, les pigmen sont aggro. Oh, les sérieux? Et pourquoi contre moi, salopard? Oh non. Tiens, ça me rappelle un timelapse, ça. Ah. Je te sens embrayer. T'as fait un timelapse, ML? Je suis en train. Ah. J'ai toujours pas fini celui qu'on avait fait. Hein. Ah, tu as fait des timelapses, c'est bien. Bah, tu bien. Sais, c'est le fameux timelapse de mon couloir, là. Ah, il doit être sympa comme timelapse. Bon, ouais, pas. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir une petite danse des pigmen. Ah bon? Tu as fait danser les pigmen? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, enfin, vous avez fait danser les pigmen. Derrière toi, Fred. Ouais, mais j'ai bu une. Contre vous, là. J'ai bu une potion de force. Donc là. Qu'est-ce que tu as fait? Donc là, les pigs. J'ai déjà dit de pas toucher les pigmen. Les pigs, je les attends. De toute façon, ça. Oh ouais, il y en a plein. Vous verriez, derrière le bateau, il y en a plein. C'est le stock, c'est la réserve de pigmen. Au moins ils peuvent pas venir sur le bateau, vous êtes safe. Ouh, toi t'es en train de faire caca toi. Non, je suis pas en train de faire caca c'est moi. Dégueulasse.
C'est moins dégueulasse qu'un placenta. Oui, oui, je suis d'accord. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Allez, venez là. Le rapport, c'est que c'est dégueulasse. Ouais, c'est que c'est dégueulasse. Bah non, c'est pas dégueulasse, c'est la nature, c'est bon, ouais. Les gars, on a tout ça en nous. Hein. Le placenta? Non. Non. Oui? Bah non. Si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Non. Mais non. Ico, je suis sûr qu'il confond avec les plaquettes du sang. Ouais, non, c'est pas mais grave. Mais non, les gars, on a tous du placenta grâce au sucre qu'on avale depuis le coca. Grâce au soleil. Ah oui, d'accord. D'accord. Grâce au soleil. De la production des pingouins en Australie, je crois. Non, les pingouins, ils sont morts, et il y en a un qui est parti du serveur. Il répondait au nom de Danny. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser que là, je viens de regarder un film. Le héros gamin du film. On va peut-être avancer. Ouais, on va avancer. Ouais. De toute façon, les pigs, ils peuvent pas venir, nous. Non, vous êtes safe sur le bateau. Hein. Par contre, ils sont pas contents, ils grognent. Hein. De toute façon, j'ai plein de potions de force. On va avancer, ouais, parce qu'on va encore faire un épisode d'une heure. Ils sont habitués maintenant, non? Ah, ils sont habitués, ouais. Chez moi ils sont habitués. Avec des épisodes de 8 gigas là. Oh putain, ça c'était tellement horrible pour le plot. Noir, rouge, noir. 25 heures du plot. Allez, plus tard. On y va. 25 heures. Non, pas 25. Donc on fait. Je crois que ça m'a mis. On fait ici, on va mettre un rouge. Je sais plus. Moi ça aurait été au moins 48 heures. Ouais, ce que je veux dire, 8 gigas avec une petite cour. Enfin, donc un rouge courage, j'ai envie de dire. Contre le noir. Tu ne dois pas être loin des 25 heures. Sur le gris, tu fais noir, rouge, noir. Possible, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs, monsieur. Moi, je ne vis pas dans ton monde de paysan. Non, moi je vis dans le poêle qui borde le trou rouge, du monde. Noir. C'est bien ce que je te dis. Oh, regarde, on a des fans. Oh. Ouais, je te fais jouer à Minecraft. T'as 4 jours, je m'en fiche. Je joue à Minecraft. Oh putain. Alors. Ça sera presque mignon, Tionk. Et après ici, donc, tu fais rouge et noir. Il n'y a plus d'espoir. Ouais. Mm-hmm. C'est pas ça, mais... Rouge et noir. C'est noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et là, on va aller sur le devant. Boire en rouge et noir, j'écrirai ma peine. Tu vas boire du coca. J'irai plus loin que ces montagnes de douleur. En rouge tu... et noir. Tu bois du coca? Non, moi je vois pas du coca. Donc si vous avez reconnu qui est la chanteuse, car c'était... Non, c'est pas Céline Dion, Roger. Dites-le nous en commentaire. Il y a Lynn qui essaie de nous parler depuis tout à l'heure. Vas-y, Lynn, parle. Parle-nous, Link, n'aie pas peur. Nous sommes tes amis. Nous ne te voulons aucun mal. Nous ne te voulons aucun mal, parle-nous. Heureusement que WixiWix n'est pas là, parce que putain, il en aurait dit des saloperies. Hein. Oui, Link, dès qu'il, bah dès qu'il oui, entend des bébés. T'as totalement raison. Oui, Link. Je suis d'accord avec toi, moi. Voilà. Il fallait que tu le dises, ouais. Il fallait que tu t'exprimes. Ça me rappelle quelqu'un, ça. La fille de Wotan? Oui. Non. La fille de Wotan, elle est plus grande quand même. Elle fait plus ce genre de bruit. c'est sale. Elle fait quel genre de bruit alors? Genre c'est sale quoi. Allez mec, oh mais l'enculé quoi. Je suis en train de faire un timelapse et tu viens me balancer des flèches quoi. Bah ouais. Bah ouais, normal quoi. C'est moche. Tu prendras mon point de vue comme ça. Donc ensuite. Ensuite, ça va être dur. Il va être dur cet épisode. Comme ma boule, quoi. Oh non, mais non, mais c'est bien. Tu veux que j'arrête quoi? Oui, parce que ça record en fait. Ah, ça record depuis tout à l'heure. Bah oui. Mais je le savais. Hein. comme ça. Cette dissidence. Tout comme sera ça, vu, tout sera entendu. Ouais. Donc, je viens mettre un Ezerac ici. Non, parce que juste derrière t'as la méca, je peux pas aller plus loin. D'accord. Méca de quoi? Tu sais, pour mes cartes. En monte de 2 de plus. Ouais. Ici. Ah, ici, non, justement, parce que regarde. Là, je peux pas aller plus loin parce que si je creuse là.
qui tombe sur la méca ici, si je peux aller plus loin au niveau du tunnel. Ah, tu vas mettre de la neige alors, parce que ça fait dégueu sinon. Oui, 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 je vais faire de la neige. Là, là pour l'instant, ça va rester. Ça va faire un gros cercle plat. Donc en gros, tout ça, ce sera à plat là, faut que je le mette à plat. Et ensuite, je vais recreuser pour pouvoir mettre de la neige. Je suis désolé si on est en record. Hein. En même temps, c'est Fred le dissident parce qu'il a décidé de rester dans l'onglet Ragnablock de Mumble. Ouais, mais. Se tranquillement et gentiment dans un slot, je tourne. Non, mais c'était un choix. Comme nous. C'était un choix, justement. C'est mon choix. Pour faire un enregistrement comme c'est, ça. C'est quoi. Une émission, ça. Oui, c'est ce que je disais. C'est mon choix, ouais. Et donc, de deux après sur le rouge. C'était, ouais. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Bon, j'ai plus qu'un boucher là pour l'instant. Bouche. Charcutier. Oui. Hop. Ouais, là c'est. J'allais dire, il faudrait que tu prennes une vue extérieure, mais comme t'es à droite avec une mène, ouais. Tu la prends moi-même. Mais je sais pas pourquoi c'est moi qu'ils ont aggro en fait, parce que c'est pas moi qui leur ai tiré dessus. Bah, c'est Céline qui a tiré dessus, puis après il est parti. Et comme ils aiment pas ta gueule. Ouais, ouais. Bah, en même temps, tu fais que de parler de sexe, alors voilà. Oui, mais c'est tellement bon. Ça, je dis pas le contraire. J'adore comment on est sorti ça. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Tu sens bien la voix de pervers là. Oh putain. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça me rappelle une petite soirée avec Danny Pingouin. Le petit Danny. C'était frais. C'est... Ça croustillait sous la dent. Messieurs, calmez-vous s'il vous plaît, c'est un peu dégueulasse là. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis, UG Blade? Non, alors c'est toi. Non, mais moi c'est UG Blade 80 en fait, mais c'est pas grave. Ah, bah c'est pas le même alors. Non, c'est pas le même. C'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Mais c'est je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un enculé. Toi, t'es l'usurpateur qui sait pas chanter alors. D'accord, c'est ça. Ok. Ah, parce que là, tu vous as fait une démo et tout. Oh là là, le mec et tout. C'est n'importe quoi. Ouais, l'autre, il a pas fait semblant. Hein. Ah ouais, ouais, il a envoyé du pâté. Hein. Et maintenant, on va chanter. Quand yo so polo, quand le nom Mario, quand yo so poso, quand yo so pollo, aime la so. Aime la so. Les oiseaux petits. C'est n'importe quoi. C'est tellement pourri qu'on aime tous ça. Ok, alors ça faut pas que je le pète. Voilà. Alors. Je vais mettre l'original donc, du coup. Là on va faire rouge. Ah vas-y, fais-toi plaisir. Rouge, noir. Regarde, ils essayent tous de nager pour me rejoindre. Ouais, bon, alors je reviens. C'est plein d'amis. Donc là tu fais. Ouais. Rouge. Noir. Donc faut que je reprenne la noire. Rouge. Et noir. Tu montes. Attends, tu montes la noire sur deux. Abdullah. Une et deux. Si il pète, ça marche ou pas? Noir. Rouge. Et deux noirs. Voilà. En plus, c'est pas le bon terme, c'est s'il lâche une caisse, ça marche pas. Et quand il pète, il trouve son slip. Oh non, quoi. T'y mets pas, s'il te plaît, non, les encourage pas. Oh mon dieu. Après, il va falloir qu'on aille. On voit une épée qui glitch. Avec les pics, ça va pas être. Faut qu'on aille à l'extérieur, non? Non. On fera un échafaudage. Et puis... Ouais. Salopard!
en haut, il est là-bas. Moi j'ai touché. Ça fait très pervers comment tu le dis. Moi j'ai touché. Oh, j'étais touché. Oui, oui. Aïe. Aïe. J'ai touché aussi. Calme-toi. Fais rien. Tu verras, ça passera. Oh bon. C'est bon, je prépare la pomme. La prochaine force 2. Il y a des piggy là-bas. Et la régie. Voilà. Ça, on est tranquille. Ouais, moi aussi je suis. Il a cru de m'esquiver. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Maître. C'est l'épisode du Nawak là. Oh la vache, c'est mal cet enculé de son arc. Tu vois le maxi grand Samsung qu'il avait. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Oh, mais putain, je sais pas comment il fait pour faire ça. Je touche pratiquement à tous les coups. Moi j'arrive pas. À l'épée je vous tue. Mais je peux pas y aller à l'épée. C'est pas proche. Même caché, j'arrive à le toucher. Bon, vous voyez, chers viewers, on n'arrivera pas à finir la coque du bateau. Je crois pas. Non. T'as combien de temps d'épisode? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, faudrait que je fasse une ellipse pour regarder. Ah, mais va te faire fou, ça va. Hein? Je déteste ça. De quoi? Je déteste vraiment que tu as touché à l'arc. Ah, mais arrête un peu! Il y en a un autre, il y en a un autre. Il y en a un autre, vous voyez. Il est où? C'est. Ça troll. Il y en a un autre. J'assume. Ça troll grave. Alors, j'en vois un, je vois Link là-bas. À mon avis, c'est au niveau de ton pont, ça. Vu la distance de la flèche, je suis au niveau de ton pont. J'ai vu. J'ai vu. Par contre, pour toucher, là, ça va être chaud la braise. Je me fais toucher par Link pendant que je vise le deuxième. Boum, Link. Non mais allez. Je sais pas si c'est Shad ou ML le deuxième. Je vois pas le nom, trop loin. Je pense que c'est Shad. Ah oui, mets-moi le feu au cul. Je sais pas, à ton avis, on y est depuis 30 minutes, non, sur l'épisode ou pas? Au moins, mon ami, au moins. Il y a eu ta mort, il y a eu la petite ellipse, au moins.
Pendant que les pigs excités... Ah, il a contourné, il a contourné. Il y a un ghast en plus. On ferme complètement ? Non, 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 faut surtout pas fermer complètement. Sinon, là, ce qu'ils attendent, en fait, c'est qu'ils vont mettre plein de flèches autour, et après, au-dessus, ils vont venir creuser, on va se prendre plus des flèches dans la gueule. En plus, il y a un ghast. De l'activer sur mon espace abonné. Ah, tu crois que c'est ça? C'est ah, ils arrivent à taper à travers les blocs, c'est con. Le chiffre qui est dans le dos là. Ouais, ça c'était pas un sneak, tu vois, il t'en a. Le numéro de votre quartier, bon ben, chers amis, c'est ici que nous allons vous quitter. On a bien 30 minutes d'épisode, non? On finira le bateau, et ben, pour dimanche. Car mercredi, il y a un petit épisode assez sympa sur le biome, sur le village. Donc on vous finira le bateau pour dimanche. J'espère que cet épisode très dissident vous aura plu. Pour l'heure, il ne me reste plus. Si c'est le cas, ben laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Nous interagirons avec amour, délices et dissidence avec vous. Pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye. Bye bye. Skyward Sword. Ah, j'ai eu ma vengeance. Ah putain. Tu récupères mon stuff, s'il te plaît. Bye bye les amis.